On a une cuisine de qualité parce qu'elle est très diversifiée et un peu à l'image de notre population. Notre population qui a subi donc un métissage important à travers donc presque tous les continents du monde, notre cuisine est à cette image parce que nous avons aussi une cuisine qui a su prendre le meilleur de la cuisine française, africaine, européenne, malgache, indienne, chinoise. Et nous avons aussi la chance d'avoir des produits de qualité, notamment au niveau des végétaux. On a des fruits et légumes, des épices et des aromates de qualité à La Réunion qui font envie à des chefs dans le continent, en Europe ou en Europe du Nord, etc. Nous avons vraiment une cuisine de qualité, des produits de qualité. Et cette mixité, ce brassage, ce métissage dans cette cuisine a fait qu'aujourd'hui, on a une cuisine régionale qui n'a pas à rougir de toutes les autres cuisines du monde. Et je dirais même qu'elle fait, à mon avis, qu'elle fait partie dans le palmarès des 5 premières cuisines du monde parce que justement, elle a su prendre ce qu'il y a de meilleur dans les autres continents. Aujourd'hui, on essaye de préserver cette cuisine régionale, défendre la tradition, mais aussi ouvrir cette cuisine sur des recettes, sur des cuisines, sur des techniques internationales pour que notre cuisine évolue, en mélangeant tous les autres produits du monde, en mélangeant toutes les autres bases de cuisine du monde, ce qui fait qu'on a encore du potentiel et notre cuisine ne pourra qu'évoluer. Et une cuisine qui évolue, c'est la meilleure cuisine du monde.